musiques sont cool et extrêmement calmes. Yo tout le monde, c'est Flich. Oula, ma prise Jack est débranchée. Yo tout le monde, c'est Flich. Au dernier épisode, nous avions apparemment découvert que Timmy aurait apparemment une âme. Et justement, dans l'univers de Grimolo, on va dire, avoir une âme permettrait de revenir à la vie. Et justement, il doit payer cette âme, et nous étions en train d'essayer de chercher l'âme. Enfin, on voulait voir en fait si Timmy avait essayé de trouver son âme, on sait pas comment. Et le Becker en fait nous suivait justement sous les ordres de Grim. Enfin, pour nous enseigner comment faucher, mais on a déjà fauché la première cave, donc la première caverne, donc. Et Grim ne savait pas, bref. Et du coup, là, nous avons fait une bonne partie de la première caverne, de la deuxième caverne, j'imagine, et apparemment, là, le Becker va nous dire un truc. Enfin. Et là, on se demande quels sont ces petits trucs, ces petites étoiles qui scintillent. Baker, qu'est-ce que c'est que ces étoiles? Quand je les touche, elles vont juste fondre. Alors ça, c'est un nouveau fantôme. Des fantômes qui n'ont pas encore tour, qui ne sont pas devenus hostiles, pas pour le moment. Est-ce que personne ne se sent mal de faucher ces fantômes? Parfois, ils sont si tristes. Je sais. Je sens mal. C'est pourquoi je ne veux pas en faire partie. Et les autres? Je vais te dire ce que tout le monde... Ce que Green dit à tout le monde. Ils sont déjà morts. Si tout ça, tu les envoies dans un meilleur endroit... Rester en tant que fantôme est quelque chose de pire que de passer de l'autre côté. Avançons. Quête énergie spirituelle. Faut pas récupérer. Ah si. Quête CE. Monter là-haut. Ah, attendez, zone secrète. Ah non, peut-être c'est juste pour récupérer l'énergie spirituelle qui se balade. Attendez. Voilà. Prise Jack est débranché. Ok. Ah, un truc à droite? Non. Il n'y a pas de truc à droite. Du coup, plop. Et c'est reparti pour du ripage. Pour du fauchage. Mais est-ce que ça serait un mensonge? Je ne sais pas. Parasite. Parasite. Je suis en train de dire le mot et j'ai même vu la gueule du truc. Oui. Il fait mal celui-là. Parasite qui donne une morsure. Il absorbe. Ah, quand il fait sa morsure, il absorbe 35 de mes points de vie. Si vous avez 0 défense. D'accord, il absorbe les points de vie si on a plus de défense. Et qu'on n'arrive pas à esquiver. Morsure. Esquiver. Là, il nous donne une griffure. Avec sa queue. Je n'arrive pas à faire cette référence. Attendez. Je le ferai au prochain épisode de la référence. D'ailleurs, après les autres attaques, il y a Quick Attack qui permet de donner un que. En fait, lorsque vous attaquez, vous allez donner un coup, puis ensuite vous allez pouvoir réattaquer une deuxième fois juste après. Ast qui est très cher, mais qui double en fait votre vitesse. Shatter, ça fait quoi? Ça. Ouais, ça. D'accord, ok, ça. Ça divise de moitié, on va dire, la défense du fantôme que je suis en train d'essayer de ripper. Là, il y a poison pour empoisonner comme loop, mais là, il y a pierce qui permet de passer à travers la défense. Et il y a flinch. Oula, c'est quoi flinch? Ah oui, ça veut dire que l'esprit ne bouge pas, que le fantôme dont j'utilise la technique, on va dire, n'esquive pas. Enfin, n'attaque plus. Oh oui! Ouais, est-ce que... Eh mince. Bon, voilà, alors c'est parti. Excusez-moi, on me parlait encore une fois. Oula, vache. Ah, mais ils peuvent m'attaquer. Ah, leur tour continue même lorsque je n'attaque pas. Ça, je savais pas. Ah bah, j'aurais dû utiliser... Mince, slash. Du
le slash. Et là. Vu que slash t'amène au maximum, je fais. C'est comme si j'attaquais tous les ennemis avec un seul coup de fou. Est-ce qu'on va manger un cookie, vous savez quoi? On va pas manger Timmy. Allons-y. Parasite. Et qu'est-ce que j'ai mangé en fait? Bref. Du coup, attaquons coupe déjà. Oulala. Pour l'instant, Goop, c'est le. Il fait mal. Attention. Esquiver. Non. Il a attaqué Barry, je vais attaquer Goop. Écoute. Doublons la force. Si le jeu était plus connu, j'imaginais. Oh, oublie ce que je veux dire. J'ai attaqué Barry encore une fois sans le vouloir. Et mince. Ça a généré. Mais même avec mes points de vie, tu ne pourras pas résister. Les points. Le fantôme a disparu. Et un cookie a été obtenu. De choses, mangeons un donuts. Mais bon, allons-y. Ah oui, je ne sais pas. Enfin, je bois un coup. Hé, hey, Lavender. C'est... Je pense que c'est un bon endroit pour faire une pause. Est-ce que tu dis ça parce que tu es fatigué? Non, pas du tout. Alors... Alors? Est-ce que je peux te demander quelque chose, Lavender? Tu viens juste de le faire, mais vas-y. C'est quoi la spirale sur tes joues? Enfin, sur ta joue. Oh! La marque sur la joue. Bah, en fait, c'est dans la famille. Tout le monde a cette marque sur la joue. D'une certaine manière, j'aurais voulu ne jamais les avoir, mais quand j'étais en vie. Et pourquoi? Bah, oh, on s'en fout maintenant. Ça m'a juste posé des problèmes lorsque j'étais un gamin. Genre, une fois, en école primaire, mon prof m'a demandé pourquoi je me suis écrit sur le visage avec un marqueur. J'ai essayé d'expliquer, mais tout ce qu'elle a fait, c'est juste essayer d'essuyer la marque avec un mouchoir mouillé. C'était plutôt drôle, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais lorsque j'étais en milieu d'école et plus tard, bah, il n'y a pas besoin de parler de ça. Je comprends. Ouais, je te comprends. Mais personnellement, j'aime bien. Moi, dans mon école primaire, si quelqu'un avait été trouvé en train de se dessiner sur lui-même, bah. Le professeur devrait le punir. Sévèrement. Punir comment? Avec leurs mains. Oh. Je suis désolé. C'était quoi comme type d'école? C'était une école primaire tout à fait banale. Bah, c'était lorsque j'étais en vie. C'est triste. C'est ok, c'était il y a très longtemps. Honnêtement, tout à propos de ma vie semble... Il y a tellement longtemps. Ça me fait presque pleurer lorsque j'y pense. Mais lorsque il y a des nouveaux comme vous qui apparaissent et qui me disent à propos de leur vie comment ils étaient maintenant, ça semble beaucoup mieux. Baker, est-ce que je peux voir votre visage? On va dire Baker, on va pas dire boulanger parce que ça casse à chaque fois. Et Baker, est-ce que je peux voir ton visage? Quoi? S'il te plaît, j'ai vu personne d'autre que depuis si longtemps. Non, tu veux vraiment pas voir mon visage? Pourquoi? Je ne pense pas que ce soit bon. Allez, Baker, vas-y. Est-ce que tu penses vraiment qu'après tout ce que je viens de passer, il y aura une différence avec toi? Non, mais... s'il te plaît. Ok. Merci. Mais... Je t'ai... Tu es en fait fait de pain! Oh! Oups, oublie à propos de ça. Et voilà.
Alors, ça ressemble à quoi? Mauvais, hein. Plus on reste dans le holo, en tant que faucheur, plus notre visage commence à disparaître. À se fragmenter. Jusqu'à ce qu'on commence à perdre des parties de notre visage. Tout ensemble. Ça commence toujours avec les yeux. Rien ne peut arrêter ça. Les yeux? Regarde dans l'eau, Lavender. Vous regardez à votre réflexion. Des orbites vides vous regardent. Grim avait fait ses masques parce que beaucoup de nous se sentaient extrêmement mal lorsqu'on a commencé à regarder les visages des autres. Quand on a vu notre propre réflexion, on s'est senti vraiment très inconfortable avec nous-mêmes, avec les autres aussi. Et du coup, ces masques sont un petit peu sont un bonheur, sont un relief, je sais pas comment dire. On n'a plus besoin de se regarder les uns des autres et de se souvenir que on est déjà mort. On n'aime pas trop nos visages, Lavender. Personne n'aime se sentir un humain. Un être non humain. Bon, après, Grim n'est pas du tout un artiste. Il sait rien dessiner à part des squelettes, à part des crânes. Peut-être on devrait t'utiliser comme référence un jour. Comme ça. Parce que principalement ta tête et ton visage est assez intact. J'étais effrayé. Attends, je remets mon masque. Non, ne fais pas ça. Bien sûr, j'étais choqué, Baker, mais je pense pas que tu devrais cacher ton visage sous un masque. On s'en fout de comment tu ressembles, et je pense pas que les autres devraient, d'ailleurs. Donc, garde ton masque... Laisse ton masque de côté. Ok. On n'est plus très loin de là où je vais aller maintenant. Partir par là? Ah, d'accord, ok. Fallait attendre. C'est parti. Bon bah. Oh mon dieu. Déjà, on va faire un slash pour se débarrasser de tous les rouges. Ah. Non, on va devoir frapper Gloop jusqu'à ce qu'il disparaisse. Oh, c'est moi ou je fais... Ah non, je fais extrêmement mal. Pour une raison que j'ignore. Il y a un cookie qu'on va tout de suite manger d'ailleurs. Tout ça en est à fond. Esprit de Lavender. Oh, on a beaucoup d'énergie. On va pas mettre le 100% de vie. Pas très utile. Pierce. Je pense pas qu'on va la prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait la prendre? Le Confident Smile. Et on peut l'améliorer encore pour 80. Intimide les esprits et gagner leur vie. On va l'améliorer au maximum, vous savez quoi. Yep là. Et là, on va monter à fond la force. Très on l'a pas assez, bon on va monter alors ça. On a complètement oublié. Pas très utile parce qu'en fait toutes les autres techniques en fait ne demandent pas énormément d'énergie spirituelle. En fait vraiment les techniques qui demandent plus d'énergie spirituelle c'est les flammes. Shield dehors et un autre bouge. Bon ça va être. Oula mais ça va être compliqué parce que si lui il buff tout le monde en même temps donc. S'ils buffent tout le monde. Ah, ok, d'accord, maintenant on les one shot les fantômes. Oh bah, bah, les ghosts disparaissent. Enfin, les fantômes disparaissent. Pas un mur là-haut. Un mur fantomatique. Donc, oui, voilà, le jeu est mignon, mais c'est pas tout rose, oula.
Non, si un slash va toucher les points de shot en fait. Presque. Esquive. Les gosses disparaissent. Les fantômes disparaissent. Il y a un cookie qui a été obtenu. On a tellement maintenant. Ast. On va pas le prendre parce que je m'en souviens que je l'utilisais jamais. Shatter aussi, on s'en fout. Quick Attack. Après, c'est vraiment que les KFC spéciales en fait. Franchement, on va pas l'utiliser là. Niveau stratégie, on est bon. Finché quoi déjà. Ah oui, esprit arrête d'attaquer. On pourrait l'améliorer. Coûte combien? 50. Merci beaucoup, ça c'est fait. Et on va augmenter ensuite. Bah. On va augmenter l'attaque. Je suis sûr qu'il va en... Ah oui, oui, c'est vrai, je m'en souviens de la suite. Oula. Bon, on commence à défoncer les fantômes maintenant. Meke? Ouais. C'était comment quand tu étais initié? C'est quand t'as appris comment faucher et les machins. C'était pas loin de ce que tu es en train de faire maintenant. Par contre, moi, je pouvais absolument pas utiliser ma faux. Genre, j'arrivais pas à donner un coup. C'était vraiment très embarrassant. Et douloureux. Douloureux? Je regrette la maison, Lavender. Je pouvais penser à rien d'autre. Juste l'odeur du pain. Créer des... L'odeur des fours. Oui, parce qu'il était déjà un boulanger dans la virée, là. Enfin, dans la virée. Moi aussi, je manque. Moi aussi, ma maison me manque. Utiliser la Lavender. Hé, je voulais pas te mettre triste. Est-ce que tu veux une baguette? Merci mec. Vous prenez une baguette du visage qui n'est pas le visage de Baker. Y'a pas de problème. Si t'en as plus dedans. Yep, y'a tellement d'espace à l'intérieur que j'utilise comme stockage la plupart du temps. Donc t'es vraiment un mini frigo, génial. Exactement. Ah. Attendez. Est-ce qu'on est full en vie? C'est... Voilà. On est quasiment full en vie. Ouais. Voilà. Bon, on est bon. Allez, c'est parti. Et voilà. Waouh. Grimm emmène tout le monde ici, au moins une fois. Ça, c'est mon endroit favori. La petite caverne que tu vois tout au fond, le truc qu'on voit au milieu, quoi, c'est ce qui s'appelle la porte du passage. C'est là où les fantômes partent, après que tu les aies fauchés. Quand tu seras assez fort, c'est aussi là où tu iras. C'est aussi là où tu iras. J'ai déjà vu d'autres faucheurs partir avant moi, à travers cette sombre caverne sous la lumière. J'ai aussi vu des âmes vivantes aussi partir là-bas. Grimm m'a dit qu'il les envoie pour revenir à la vie. À quoi ces âmes ressemblent? Pas du tout comme un fantôme, mais pas du tout comme un faucheur. Elles étaient vertes et brillantes, différentes de tout ce que je n'ai jamais vu. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose bouge dans la poche de Lavender. Vous regardez. Lavender! C'est... Le voilà! C'est le fantôme qui a pris mon âme. Si c'est vrai... Eh bien, je ne le laisserai pas partir. Le gardien des armes. Observez. Le gardien des armes. Cet esprit. J'ai des attaques qui vont soit absorber le willpower, soit l'attaque spéciale. Il y a pas mal de plus. Drive willpower. Mince. Ah, il reprend ses points du derrière.
On va s'augmenter la puissance. On va se faire tous les buffs. Flinch. Pierce. Ok. 100 d'énergie spirituelle récoltée. Bon, ok, c'était rapide. Finalement. Avec cette âme, Timmy pourra vivre encore. Tout ce que je dois faire, c'est le montrer à Grimm. Attention derrière toi. Juste. Bon, ok, on s'est fait avoir. Est-ce qu'il nous a battus avec un rouleau pour faire du pain, je crois. Mademoiselle, bonjour. Hé, hey, réveille-toi. Madame. Ah. Le boulanger est parti. L'âme est partie. Aussi. Timmy. Il y a un petit mouvement dans la poche de votre suite. Ah, tu es toujours là. Hé, hey, c'est une bonne chose que je t'ai trouvé. Oh, ne fais plus jamais ça. C'est dangereux pour un nouveau de sortir dehors. Pas tout seul. Où est le baker? Hein? Eh, je l'ai vu courir à travers la troisième caverne. Tu sais, le chemin vers la porte, tout là-bas. Je n'ai absolument aucune idée pourquoi. Et je l'ai jamais vu se battre durant toute sa vie. S'il y en a une. Et où est-ce que tu vas? Il faut que je trouve Grimm le plus rapidement possible. Quand tu lui dis-lui que Baker a disparu avec une âme. Et dis-lui que je vais vers la porte du passage et que je la garderai. Ah, ok. Je peux faire ça. Merci. Oui, si vous avez compris, en gros, Baker, on va dire, a pris l'âme qu'on a juste récupérée, l'âme de Timmy, pour utiliser, pour espérer passer de l'autre côté. Bref. Oh mon dieu, je ne peux pas le croire. J'ai juste vu Baker ouvrir ce mur et courir à travers. J'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour. Ah, il s'est fait revenir ici, d'accord. Merci d'avoir trouvé mon... D'avoir trouvé mon... Qui était caché derrière la chute... caché la chute d'eau. Ouais. Mes pensées se mélangent à travers les dialogues et la traduction. Merci d'avoir trouvé mon... c'est un petit peu... Tiens. Voici un cadeau en remerciement. Un gâteau. La madeur, n'est-ce pas? Ça, en fait, c'était mon cadeau pour la fête, mais... il semblerait que... Ok. En fait, en gros, lui, le Reaper qui était en bas, on peut vous donner ça en cadeau, mais il a pas pu venir. Est-ce qu'on revient en arrière? J'ai envie de revenir en arrière, je peux voir. On se regarde déjà avant. Oh, bien. Bon, on soit sur le 3. Et c'est la fille. Enfin, c'est la madame. Et alors, on est cherché Grimm, mais malheureusement, il est parti faire son travail du matin. On sait pas où il est. Il sait pas où il est. Ouais, il utilise la moitié de son temps en dehors du holo. Tu savais pas ça? Et ouais, on peut pas lancer de tes parties avec des Reapers tous les jours, tu sais. Quand est-ce qu'il revient? Ah, difficile à dire, il n'y a pas d'horloge autour. Et à propos du message? Oh, t'inquiète pas à propos de ça, tout le monde dans le holo sait... connaît le message et le dira à Grimm. Et Baker? Lorsque Grimm reviendra, il le trouvera en quelques minutes. Mais je peux pas attendre aussi longtemps, est-ce que personne peut m'aider pour le trouver? Il va passer à travers la gate opening avec... Il va passer la porte du passage avec juste une... avec une âme. La caverne qui mène jusqu'à la porte est fermée depuis un long moment. Et tous les Reapers qui ont besoin de passer se font téléporter avec Grimm. Personne dans l'eau est assez fort pour passer tout seul à travers cette caverne. C'est difficile de croire que le baker, que le boulanger de tous les Reapers pense qu'il peut. Ah, c'est un désastre. Ce rythme, Timmy, va... Non, je peux pas penser comme ça. Ok, je vais y aller tout seul. Ah, mais tu t'es sûr?
Tu viens juste de t'évanouir, tu viens juste de venir, tu viens juste d'arriver à Lolo, tu sais. Bah, je n'ai pas le temps. Bah, si t'as besoin de quelque chose, n'oublie pas de te préparer avec la bakery locale. Y a toujours le mec qui attend, qui va parler. Ouais, on va se faire le plein déjà. Oh, c'est le nouveau! Ouais, bon, c'est le baker de substitution. J'ai pas besoin de parler. Vu qu'on a. Muffin. En fait, on a le stock déjà de nourriture. On a le stock de trucs déjà. Ou pas, en fait. Je pense pas qu'on ait besoin de tant de cake. Ça, on va se prendre 2. C'est pas si. Je pensais que c'était hyper cher, mais non. On va se prendre du 5. Voilà. Du coup, on est bien. Et. On va se faire. Cette amélioration. C'est bien cher maintenant. Ça, on l'a pas amélioré. Yep, maintenant troisième caverne qui va augmenter du coup la difficulté. Combien de temps du coup la vidéo dure déjà? Ça fait... Bah je pense qu'on va terminer l'épisode ici, vous savez quoi, un petit peu plus tôt que d'habitude. Attendez, est-ce que c'était le baker? Est-ce que c'était le boulanger? Il semble que quelqu'un est trébuché. Réveille-toi. Bon bah, prochain épisode, nous entrerons dans la troisième caverne pour essayer d'empêcher le boulanger de prendre l'âme de Timmy et de passer de l'autre côté. Parce qu'on veut que Timmy et nous-mêmes vivons, donc. Donc voilà, bah, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, voilà. Ou même vous abonner si vous voulez vraiment louper aucun épisode. Du coup, je vous souhaite à plus, c'était Flush.